Aujourd'hui, nous allons préparer des aiguillettes de poulet à la crème, accompagnées de son riz. Il me faut pour 3 personnes ou 4 personnes, 3 personnes, moi je dis. Il me faut 400 g d'aiguillettes de poulet. Oui. 3 oignons, 2 gousses d'ail, du persil, 200 g de champignons, du sel, du poivre, du curry. Il me faudra prendre 200 g de riz et de la crème fraîche. Bien. Tu vas commencer par quoi? Je vais commencer par faire dorer mes aiguillettes de poulet. Ok. Et pendant ce temps, je vais peler les oignons et les champignons. Parfait. C'est parti. Alors, j'ai fait revenir les aiguillettes de poulet. Oui. Il y en a une dizaine pour 3 personnes. Hein. Oui. Maintenant, je vais mettre à revenir mes champignons. Oui. Après, mes oignons. Oui. Et après, je remettrai tout dans la poêle avec l'ail et le persil. Bon, donc tu as tout préparé, tu as tout découpé, nettoyé. Tout préparé pour m'occuper. Okay. Parfait. Bon, là, je vais commencer par les champignons. Oui. J'ai mis un peu d'huile dans la poêle. D'accord. Et je vais mettre tous mes champignons. Le feu est éteint, je crois. Hein. Je vais le rallumer. Les champignons sont dorés. Hein. Oui, je les enlève. Ça, ça a réduit d'ailleurs. Hein. Oui, ça réduit toujours. Donc tu les enlèves, tu les mets dans une assiette. Oui, je les remettrai tout à l'heure. Avec le reste. Avec le reste. Maintenant, je vais faire revenir les oignons. Oui. Je vais mettre tous mes oignons que j'ai hachés oui. dans ma poêle. Ok. Et je vais les faire revenir légèrement, hein. À peine dorés, hein. Tu rajoutes pas d'huile, non? Non, il y en a un peu, hein, déjà. Oui. L'huile des champignons. Oui. Ça donne un bon goût, hein, l'huile des champignons. J'ajoute un peu d'huile pour dorer mes oignons. Un filet d'huile. Oui. Si jamais il y en a trop, je l'enlèverai après. Mais là, il faut que les oignons puissent dorer. C'est l'huile de tournesol, bien sûr. Oui. Les oignons, ça y est, ils sont oui, dorés. Oui, ça y est. Ok. C'est prêt. Impeccable. Alors maintenant, oui. Je vais mettre les aiguillettes de poulet. qui ont été revenus quelques temps avant, oui. Oui, juste, c'est en premier. Oui. Ensuite, je vais mettre les champignons. Ok. Oui. Et le persil, non, pas encore. Attends, tout de suite, je vais mettre tout. Le sel, le poivre, tout. Ok. Bon. Je vais mettre là, il me reste de l'oignon. Je vais mettre un peu d'eau pour... Ah oui, il te reste de l'oignon... qui est accroché, alors oui. Je vais mettre un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, ok. Regarde. À peine, hein. Non, fais-le voir là-bas. Oui, un fond d'eau. Hein. Un fond d'eau, mais je vais enlever toute l'ail qui reste. L'oignon plutôt, pas l'ail. Pourquoi? Pour ah, tu le rajoutes. Pas le jeter. Oui, oui, tu le rajoutes, oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord, tu le récupères, quoi. Ouais. Bien. Voilà. Tout ça à feu doux, hein. À feu doux. Oui, à feu doux parce que le feu, c'est un grand feu. De toute façon, il faudra que je mette un peu d'eau, là, on va le mesurer. Un peu de quoi? D'eau. Oui, mais là, tu en as déjà rajouté, là. Non, mais je vais mettre un peu d'eau pour que ça cuise. Oui. Bon, tu me diras combien, hein. Je vais le mesurer, là, dans le petit verre, là. Oui. Là, je mets un peu de sel.
J'en mets pas trop si les gens trouvent qu'il n'y en a pas assez, ils sont rajoutés. Oui, mais chacun se rajoute le sel, le poivre à convenance. Le poivre, c'est bon pour la santé. Alors, là, tu as 150 ml d'eau, 15 centilitres d'eau. Tu les mets tout de suite ou pas? Oui, mais d'abord, je vais mettre le curry. Combien? Une petite cuillère à café. Une cuillère à café de curry. Ok. Voilà. C'est tout. Et ensuite, tu mets 15 centilitres d'eau. Tout. Bon, tout est là. Tout est là. L'opération qui va suivre ensuite, c'est le riz. Le riz, d'abord, il faut que ça sert. Oui, oui, non, non, mais d'accord, bien sûr. Tout est là, non. Il manque l'ail et le persil. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas mis l'ail et le persil non. Encore. Tu le mets, à quel moment tu le mets? Je vais le mettre maintenant. Tout de suite? Ouais. Tout de suite ou maintenant? Tout de suite. Alors, l'ail. De toute façon, on les fait. On tourne ici. Voilà. Et le persil. Je laisse un peu pour la fin. Pourquoi? Pour quand je prépare mon riz pour décorer le riz avec les champignons. Bon, alors là maintenant. Maintenant je vais fermer ma. Ah, tu couvres. Je vais mettre encore un verre d'eau, ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas? Non. Combien? Un autre verre d'eau. 15 centilitres de plus? Oui. Ok, je te le prépare. Oui. Voilà, comme ça je laisse cuire un petit feu. Voilà. Bon, je vais mettre le chrono, hein. Oui, et je mets à feu doux, regarde. Oui. Voilà, comme ça. Comme ça? Oui. Ok. Est-ce que je lance le chrono à partir oui, de maintenant tu peux ou pas? Tu peux le lancer ici. Alors c'est parti. Est-ce qu'il faut remuer de temps en temps ou pas? Non, non, je laisse. Est-ce qu'il faut couvrir Pour l'instant, je laisse jusqu'à que ça boue et après, je vais couvrir. Ok. Après 25 minutes, j'éteins mon feu. Le plat est prêt. Voilà. Alors, la prochaine... Tu as rajouté quand même, il faut le dire, 15 centilitres. J'ai rajouté 15 centilitres. Oui, ça fait 3 fois 15 centilitres. 3 fois 15 centilitres. Ok. Bon, voilà. Là, c'est prêt. Enfin, voilà. C'est prêt. C'est prêt, il manque la crème fraîche et le riz après. Bon. Maintenant, ça, c'est prêt. Je l'arrête. Ok, on arrête ça. La cuisson s'est effectuée avec le couvercle. Hein? Oui, avec le couvercle et 25 minutes. 25 minutes, voilà. Donc, maintenant, on passe à la prochaine opération. Mon eau a bouilli. Je vais mettre mon sachet de riz. Il y a 200 g de riz dedans. Et ça va cuire combien de temps? 12 minutes, moi, je laisse. 12 minutes? C'est 10 minutes, moi, je laisse 12 minutes. Parce que j'aime qu'il soit un peu cuit, mais 12 minutes je laisse. Oui, ben alors il faut mettre la minuterie. Oui, mais je vais la mettre tout de suite, la minuterie. Voilà. Pendant 12 minutes, je vais faire autre chose. Hein. Ça voilà, c'est parti, 12 minutes. Et voilà, 12 minutes. Et ça boue. 12 minutes sont terminées, oui, tu peux l'enlever. Je peux l'enlever. Je vais... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais mettre mon sachet là. Je vais mettre de l'eau froide dans la casserole. Oui. Je vais mettre mon sachet que je vais ouvrir. Oui. Ah, maintenant tu vas l'ouvrir dans l'eau? Dans l'eau. Pour le rein. Je rince toujours le riz. Attends, je m'approche hein, pour voir. Voilà.
le sachet, je vais l'ouvrir. Tu vois? Ça ne tient pas de brûler, hein? Ouais. Parce que c'est chaud. Il reste toujours quelques grains, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Après, je verse tout ça, oui, dans ma passoire. Comme il reste du riz dans la casserole, je mets de l'eau et je le verse à nouveau dans mon riz. Dans la passoire. Oui. Pour. Voilà. Et maintenant, je mets mon riz à égoutter. On reprend notre plat. Hein, ouais. Non, mais on reprend rien, tu dis. Non, on reprend rien, mais c'est-à-dire, il faut ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Voilà. Ça a chauffé bien. Oui. Maintenant, je vais mettre ma crème fraîche. Alors, allons-y. Si, c'est, on a repris la poêle d'aiguillette, oui, qui était mise de côté. Oui. Voilà. Et maintenant, je mets... Combien tu mets de crème fraîche? Il y en a combien là? Un gros zeste. Attends, il y a 40 centilitres. Oui. J'en mets 20. T'en mets 20, la moitié quoi. Ouais. D'accord. En gros. Il le faut, hein. Et on remue. Eh oui, pour que ça soit bon. Pour lui. On va laisser un peu comme ça. Et la suite, c'est quoi? La suite, je vais mettre un tout petit peu de... Parce que j'aime que ça Attention. Soit un peu jaune. Une cuillère à soupe ou moins? Non. Un zeste de curry. Un zeste, je ne sais pas si le terme est approprié. Oui, il est Une demi-cuillerée à café. Hein, ça te va? À peine, oui. Ok. C'est pour que j'aime bien la couleur comme ça après. Oui. Bon. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais mettre le persil qui restait. Et voilà, un peu de persil. Tu veux remuer ou pas? Non, je laisse comme ça. Ah, tu veux pas remuer? Non. Bien. Allez. Est-ce que le plat est terminé? Ce plat est terminé. Oui, et le riz, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais le chauffer un petit peu pour après le mettre dans le plat. Mais il faut manger l'entrée avant. Non, mais... Eh oui, mais si c'est terminé, c'est chaud. Oui, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de beurre pour mon riz. Oui, t'as mis combien là? 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes? 30 grammes. Allez, 30 grammes. Tu vois, regarde. Oui, je vois. Je laisse fondre et je vais mettre mon riz. Oui. Et ensuite? Je sale et je poivre. Je sale et je poivre. Tu sales et tu poivres, pardon. Ouais. Voilà, ça, oui, ça marche. Je vais mettre sur le plus petit feu. Voilà, tu vois. Il faut le chauffer, le riz. Je vais mettre du sel, du poivre et c'est tout. Attention le sel, hein. Stop. Et le poivre. Attends, je remue le sel. Le poivre, c'est bon pour la santé. C'est cela. Les docteurs, ils le disent. Chaque fois, ils me disent, au lieu de mettre du sel, mettez du poivre. Alors, c'est bon pour la santé.
Bon. C'est prêt, là? On peut arrêter. Oui. Quand je mettrai sur la table, je vais présenter le plat avec le reste. Oui, oui. Avec le riz. Alors, je présente le plat avec le riz. Tu présenteras le plat avec le riz. Voilà. Ok, allez, on va voir la présentation maintenant. Bien, voici le résultat. Une petite assiette garnie. Et bon appétit.